Bonjour le papa, bonjour, bonne arrivée. Merci. Voilà, il n'y a pas trop longtemps d'être chez l'homme de Dieu, papa Florian. Affirmatif. Et on vous retrouve sur ce plateau pour un deuxième témoignage. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en temps pour qu'on vous retrouve aujourd'hui encore. Ok. Soyez les bienvenus, on vous écoute pour ce témoignage. Ok, merci frère. Je suis venu ici pour dire merci au Dieu de papa Florian. Merci en ce sens que j'ai traversé une situation pénible dans le temps. La société m'a beaucoup fatigué. Je suis venu ici le 28 juillet. Et avant de venir là, j'étais très chargé. J'avais des moyens. Je faisais mes affaires. Les services, ça marchait pas bien que mal, mais j'étais bloqué quelque part. J'étais bloqué parce que les parents proches me fatiguent. En l'occurrence, ma grande sœur, qui est dans une confrérie, qui ne veut pas du tout que j'émerge. Il a fallu que je vienne ici. Quand j'ai pris les éléments, au bout de 3 jours, tous les secrets sont sortis. Tous les secrets sont sortis. Ma grande sœur, qui a reconnu dans une église où elle va prier avec sa petite fille pour faire cet aveu, c'est elle qui me bloque. Et qu'elle fait partie d'un groupe. Et ce groupe-là, aujourd'hui, leur aîné est tombé. C'est-à-dire 3 jours après que vous Trois avez mis jours les après pieds que j'ai mis ici, mes pieds ici, que j'ai commencé à je ne peux pas consommer le pleurer. lait, et j'ai pris le sang de Jésus, j'ai aspergé la maison, je vous assure qu'il y a eu un bruit assourdissant au niveau de la chambre. Quelqu'un tapait les placards, il s'est retrouvé sur le toit, il marchait. Et plus tard, j'attends le décès de mon aîné. Elle est l'aînée de tout le monde. Et avant qu'il ne décède, votre soeur a confessé Elle a que confessé, elle a confessé. ils font partie du Et même groupe. ils font partie du même groupe. Maintenant, accompagné de cette soeur, il y a un autre frère qui est venu. Il est venu pour pisser dans les documents universitaires de mes enfants. Ça, c'est un songe humain physiquement. Physiquement. Il a quitté le village, Il est mais. parti de Gagnoa, je suis obligé de dire ça. Il est parti de Gagnoa. Il est venu chez moi. Il dit non, je suis venu te dire que voilà, voici ce qu'on fait au village contre toi. Comme on n'arrive pas à avoir ton âme, voilà ce qu'on est en train de tout autour de toi. Il a pissé dans les documents des enfants. Le matin, Les documents administratifs les documents scolaires, scolaires. les fascicules des enfants, ils sont à l'université. Et il est venu faire ça. Le matin, quand les enfants m'ont réveillé, je l'ai appelé, j'ai dit, Jacques, voici ce que les enfants sont en train de dire. Qu'est-ce que tu as dit? C'est moi qui ai fait ça. J'ai nettoyé la maison, je leur ai donné de l'argent, allez-y changer vos documents. La nuit, le second jour, il a commencé à pleurer. Entre 2h et 3h du matin, il dit non, la sirène des eaux est en train de l'attaquer, il ne veut pas mourir. Votre Il ne frère veut qui a pas. pissé là. Le frère qui a pissé, le frère en question, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Donc mon âme me réveille, dit, écoute ton grand frère, je vais là-bas. Il dit, mais Jacques, qu'est-ce qui se passe? Chez moi ici, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de lagune non plus. Pourquoi sirène des eaux? Tu as quel problème? Pardon, il ne faut pas me créer un problème. Il a pleuré de 2h à 5h moins. Et c'est là qu'il s'est endormi. Le matin, j'ai dit, non, je vais t'amener au village. Je l'ai forcé pour l'amener au village. Il dit, non. Comme je vais aller au village, il faut que je te dise ce qui se passe. Voilà, nous tous là, nous sommes dans une confrérie. Mais comme toi, ton étoile brille, on a besoin de toi. Mais on n'arrive pas à t'avoir avec tous les enseignements que tu suis là. C'est un problème. Donc, on est en train de détruire tout ce que tu as, tes biens là, c'est nous qui les prenons. Alors, mais vous prenez les biens. Vous n'êtes pas en train de vous arranger. Moi, j'ai fait mon temps, mais les biens que j'ai obtenus, c'est pour aider vos enfants, même vous-même. Vous êtes en train de me mettre en retard. Je vais à destin, ça marche pas. Et ça marche, je viens pas me donner mon grade. Mais quand même, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Il dit, bon, comme on sait qu'on va partir, on avait distribué les terrains. Nous, on est propriétaires terriens. Voici tes terrains qu'on a bloqués. Voici les numéros. Bloqué en sorcellerie. Bah, oui, en sorcellerie. Il faut aller à Gagnoa, tu vas voir la mairie, et puis on va te montrer tes parcelles. Tu vas faire ce que tu veux. Tu vas de même à Godiabré, tu as encore trois terrains qui sont là-bas,
Il faut aller au Godiabri, c'est le village maternel. Le dernier village avant d'atteindre la ville de Gagnoua, en venant de Lakota. Donc, tu vas, on va te donner ton terrain. Ah! Mais vous avez tout ça. Mais comment vous avez fait le partage? Nous sommes nombreux, de même père. Certes, notre père il a été propriétaire terrien. Nous sommes nombreux. Mais avant de faire un partage, appelez-nous. Aujourd'hui, vous avez caché pour moi, c'est pas grave. Ok, j'ai compris. Quand je serai à Gagnoua, je vais voir ça. Donc le frère, ça ne s'est pas arrêté là. Je ne peux pas avoir de femme. Je ne peux pas avoir d'enfant. À chaque fois que ma femme prend un retard, la femme est mort-née dans sa... Et c'est comme ça, on se retrouve à l'hôpital. Il a fallu que je vienne ici pour que ma vie soit éclairée. Je suis à un début. Mais là où je suis aujourd'hui, je dors bien, je suis heureux. Il y a eu une harmonie dans la maison. Dans la maison. Il y a une harmonie, mes enfants sont contents, on se retrouve. Avant, mes enfants ne peuvent même pas me regarder. Je ne peux pas avoir l'argent dans la main. Je vous dis que je peux avoir 2-3 millions dans la main. En deux jours, ça disparaît et c'est parce que j'en fais. Tout ça, c'était l'œuvre de la société. C'était l'œuvre de la société. Aujourd'hui, mes enfants sont revenus à moi. On cause, tout est parfait. Et jusqu'à ce que, sur mon portable, parce que moi, je me cherchais. Sur mon portable, j'ai un appel d'une dame qui est ailleurs. Elle m'appelle que c'est moi. Elle veut. Comment? Elle dit non. Le réseau sur lequel tu te trouves là, avec les références que toi tu as là, c'est un homme comme ça, je dis. Ah, mais j'ai une femme. J'ai une épouse. Elle dit, vous avez épouse ou pas? Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une référence que je suis. Et la dame a commencé à m'écrire, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc gloire vraiment, je suis venu ici pour remercier le Dieu de Papa Florian, pour remercier cette mission. Et je suis scotché ici pour de bon. Scotché. Pour de bon. Parce que le sang de Jésus, le sang de Jésus est là. Fait le nettoyage. Vraiment, ça me travaille. Ouais. Et je suis, c'est ce que je cherchais depuis longtemps. Je ne suis pas venu pour me venger. Mais c'est Dieu seul qui fera son travail. Son travail. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.